La bénédiction, moi-même, la mon argent est comme ça, non. Amen. Elle est venue t'apporter le bonheur. Elle doit aussi te donner des idées. Amen. Mais si tu veux voir une femme soumise, frère, c'est le pouvoir, c'est ça. On dit amen. Amen. Une fois, ça la montre qu'elle a déséquilibré dans le foyer. Parce qu'elle ne peut pas passer tout son temps de gêner. Un gêne. Vous parlez de gêner la seule, hein? C'est pas un ministère. Il y a un ministère, ça c'est ici. Mais le foyer reste foyer. Ben, les gens veulent comprendre les choses. Ils veulent prendre le foyer comme un ministère. Comme il n'y a pas l'argent, hein, je vais prier. Frère. Va chercher, donner à manger. C'est bien sûr. On va gêner. Non. Vous avez bien réfléchi. Je pense que tu as bien réfléchi. Et je pense que c'est ta femme aussi a très bien réfléchi. Parce qu'elle doit t'apporter le bonheur. Elle doit t'apporter le bonheur. Quand c'est difficile, elle doit venir te consoler. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment très important, la consolation. Dans les moments difficiles, parce que l'amour est le moment difficile, ta femme doit t'apporter le bonheur. Elle a mesure de te mettre. C'est-à-dire, tu es fâché comme on connaît, il y a sa femme, ta femme. Pourquoi ta femme est complice? Elle seule doit t'apporter. Dès qu'il t'a dépassé, tu vas la sourire. Il y a des gens, à cause de leur femme, ils n'auront pas vu à la maison. Si sa vie allant sur lequel embouche. Zali t'es sorti sans le papa, sans le parfum. C'est moi que leur narine est développée. Elle sent. Ok. Dès qu'elle rentre les habits, dès que tu la portes, elle voit déjà trois parfums. Et qu'elle t'appelle, c'est toi, tu as embrassé qui. Tu dois croire en l'homme. Ça dit tout ce qu'il te dit. Même si tu penses qu'il y a un rouge à lèvres qui t'adresse aux oreilles, il faut croire en lui. Même si tu as dit non, parce que je marchais et on m'a touché comme ça, crois en lui. Parce que l'amour croit tout. Amen. Ça me fait des histoires. J'ai une manière de voir l'homme. C'est ce qu'il dit aux gens, j'ai une manière de voir l'homme. Quand tu sais le courant, tu deviens comme un bébé. Parce que l'homme est prêt toujours à se défendre. Quand tu l'attaques, lui, il va t'attaquer une fois. Il témoigne. Même si on dit à 1024 dans ta bouche, il y a quoi les armes chimiques? Il y a comme ces armes chimiques. Quand il parle un coup là, le monsieur a terre. Le monsieur témoigne. Amen. Dès que le monsieur entre dans la maison, la moindre des choses, il faut sentir du bonheur. Vous devez commencer à vous donner des petits noms. Il y a comme souvent ce que ça m'a dit. Hein? C'est ça? Vous devez avoir des petits noms. Oui, c'est comme ça que ça commence. Les petits noms, les second noms bizarres, vous appelez en vain. Commencez à vous nommer les petits noms. Elle doit être la seule à te appeler comme ça. Toi aussi, tu dois la seule à appeler comme ça. Dès qu'elle est rentrée, tu sais, quand ton mari est rentré, la moindre chose, c'est de l'aider. Un sourire, apporter le bonheur. Amen. Je vous dis que les hommes ont une image avec calculatrice dans la tête. C'est des gens qui ont plus de calculatrice. Ils ont tellement de soucis. Ils ont plus énervé quand ils rentrent à la maison. Donc, il ne faut pas lui dire, il va te frapper. Quand le monsieur rentre, toi, tu es le bonheur, les difficultés de dehors. Toi, tu l'appelles, tu enlèves sa chemise. Ça, c'est difficile pour d'autres femmes. Amen. Ça va dire, toi, tu ne sais pas où elle va te manquer. C'est moi, il est prêt. Moi. Tu as dormi ici. C'est moi, il est lui, là. Tu te prends pour qui? Si, c'est ton bébé. Amen. Le premier bébé de la maison, c'est ton mari. Amen. C'est ton mari, le premier bébé. Dès qu'il est rentre, tu enlèves ce truc. Vous savez, quand un homme trouve le bonheur dans une maison, il ne cherche pas ailleurs. D'autres me disent, non, les hommes, c'est comme ça. Tu as beau s'occuper de... Non, Dieu n'a pas créé des voyous, des voyants. C'est vrai qu'il ne sait pas prendre un homme. C'est ça qu'il va dehors. Un vieux, il est là, moi aussi, il a une petite fille, et puis il la libéra, il est couché dans le studio. Il sait ce qu'il tourne dans le studio. Il a aussi qu'on peut le Dieu. 10 p.m. il est couché. Un silence. Attendez, ce brosse. Il a aussi qu'on. Il quitte la rivière. Mais chat dans le château. Mais ça quand il a petit, il lui dit, bébé, il aime entendre ça, bébé.